Nous sommes une fondation appelée Bisson Foundation et nous sommes là. Mon mari aime le football, c'est pourquoi nous sommes ici. Et les années antérieures, nous avons fait ça à Cambridge où nous résidons, mais cette fois-ci, nous sommes dit il faut qu'on vienne à Londres voir comment ça se passe aussi. Et l'exemple a montré que vous êtes présents et que Londres a répondu présent. Merci beaucoup d'être venu et que tout se passe bien et que nous reverrons tout à l'heure à 20h pour une soirée de gala pour la collecte des fonds. Merci beaucoup et welcome. Thank you. I'm
c'est les mêmes joueurs, c'est la même équipe. Ça, il faut attendre pour voir. C'est bon. Cyril, ça, c'est pas pour vous flatter. On vous a vu sur le terrain tout à l'heure. Vos déplacements restent très, très performants. Comment, Cyril, fait pour garder la banane, la pêche à plus de 50 ans? Non, je pense que, bon, il faut aimer le sport et continuer à l'aimer même si on ne joue plus. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et vous voyez, sachant qu'il y a toujours des événements comme celui-ci où je suis sollicité pour la charité, dont je me dois quelque part de répondre présent et d'être peut-être affûté pour pouvoir encore donner le plaisir aux gens qui viennent voir l'événement. Donc il n'y a pas de secret, une hygiène de vie et puis du sport et voilà. Merci pour votre disponibilité, Cyril. Est-ce que vous avez un mot pour tous les Camerounais qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce que vous leur direz? Je dirais que c'est la première fois que je sens le danger dans l'unité de notre pays. Et j'espère, et de tout cœur, que personne ne pourra diviser le Cameroun. Et que le sport est un exemple. J'ai toujours dit que l'école était, le football était une école de vie. Et je pense que si on pense au football, on peut recoller les morceaux qui nous manquent dans notre pays. Et c'est le souhait parce que on aime tout ce pays, on aime y aller et le voir dans cet état. Je pense pas que ça fasse plaisir à beaucoup de monde. Et ça, c'est ma préoccupation aujourd'hui et mon souci pour lui. La réconciliation du Cameroun. Très belle conclusion, Cyril. Merci. Continuer à l'aimer même si on ne joue plus. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et vous voyez, sachant qu'il y a toujours des événements comme celui-ci où je suis sollicité pour la charité, dont je me dois quelque part de répondre présent et d'être peut-être affûté pour pouvoir encore donner le plaisir aux gens qui viennent voir l'événement. Donc il n'y a pas de secret, une hygiène de vie et puis du sport et voilà. Merci pour votre disponibilité, Cyril. Est-ce que vous avez un mot pour tous les Camerounais qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce que vous leur direz? Je dirais que
C'est la première fois que je sens le danger dans l'unité de notre pays. Et j'espère, et de tout cœur, que personne ne pourra diviser le Cameroun. Et que le sport est un exemple. J'ai toujours dit que l'école était, le football était une école de vie. Et je pense que si on pense au football, on peut recoller les morceaux qui nous manquent dans notre pays. Et c'est le souhait parce que on aime tout ce pays, on aime y aller. Et le voir dans cet état, je ne pense pas que ça fasse plaisir à beaucoup de monde. Et ça, c'est ma préoccupation aujourd'hui et mon souci pour la réconciliation du Cameroun. Très belle conclusion, Cyril Makalassi. Merci. Merci.